Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui je vais poser une question qui me taraude. Alors que en plus je ne vis même pas à Paris, donc franchement, je sais pas, je me suis posé la question l'autre jour, je me suis dit, mais est-ce que Madame Hidalgo va reconquérir une deuxième fois la mairie de Paris? Je suis en train de battre. Pardon. Alors, je vais quand même la mettre en ligne, cette vidéo, et je ne vous la dévoilerai que si ce qui va être prédit, et je ne peux pas savoir à l'avance, bien entendu, est exact. Et vous verrez que elle aura été mise en ligne à cette période. Donc, est-ce que Madame Hidalgo, qui est maire de Paris aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre, est-ce qu'elle gagnera les élections municipales prochaines de Paris? Alors, je ne sais pas trop qui est en liste, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes partis, donc c'est pas très. Voilà. Alors, dans ces lames, elles sont un peu spéciales. Je ne les ai jamais utilisées, donc je vais les utiliser aujourd'hui. Je vais essayer un peu de me laisser. J'ai noté en dessus. Moi, j'écris sur mes cartes, hein, de toute façon. Hein, vous l'avez déjà remarqué, je suis sûre et certaine. Alors, voyons voir. Je vais poser ici les cartes. Alors, est-ce que c'est Madame Hidalgo qui va remporter ses municipales à Paris, oui ou non? Voilà la première lame. Je vais les tirer comme ça. Je vais tirer trois. D'accord? Ah, ça change. Alors, la première retirée, c'est la pénurie. Hein? C'est la pénurie, c'est-à-dire que c'est comme si on. Alors peut-être il va y avoir une grève hein, d'ici les élections assez importante qui fait que les Parisiens, peut-être même le peuple français, j'espère pas, mais bon, les Parisiens vont se sentir un peu, sinon opprimés, du moins en manque. Voyez, en manque. Alors est-ce que c'est les boulangers qui vont faire la grève? Est-ce que c'est les transports? Peut-être tout ça au même temps. Et donc, il y aura. Voilà, on nous parle de pénurie. Ensuite, ici, on nous parle que. Ah oui, il va y avoir des sacrées manifestations. Hein. Ici, voilà, elle est claire. Hein. C'est marqué au bout d'une pique. Hein. Donc, c'est vraiment. Il va y avoir des actes violents, quand même. Hein. Ici, on voit la violence. Donc, est-ce que c'est par rapport à... Parce que moi, j'avais posé une question, hein, quand même. Et moi, je dirais que, effectivement, pour moi, c'est quand même Madame. Comment elle s'appelle? Bah, ça y est. Ah, Hidalgo. Moi, je pense que c'est Madame Hidalgo qui va remporter. Alors, j'aimerais bien que ce soit une figure féminine qui sorte, là. Pour être. Oh, voilà! Ok, bon bah pour moi, Madame Hidalgo va remporter la mairie de Paris. Je ne sais plus quand est-ce que c'est, mais je sais qu'il va y avoir les élections à Paris. Bon, les cartes m'ont mis quand même un petit peu, c'est-à-dire que d'ici les élections, je pense qu'il va y avoir quand même un sentiment de pénurie, hein, quel que soit le domaine, mais je pense qu'il va y en avoir plusieurs, avec des manifestations assez violentes par moment. Et ensuite, on voit une victoire, et cette victoire va être remportée par une femme. Donc, comme la question, elle était sur Madame Hidalgo, par déduction, je dirais que c'est Madame Hidalgo. Maintenant, comme je ne veux pas rester comme ça, avec l'ombre d'un doute, je dirais, donc c'est peut-être une femme, mais pas Madame Hidalgo. Je ne sais pas s'il y a donc, je prends ici maintenant ces cartes. Et je souhaite que ces cartes me disent oui ou non, c'est Madame Hidalgo. Est-ce que cette figure ici représente Madame Hidalgo? Si oui, la carte du oui sortira
dans les 7 lames que je vais tirer. Une. Je le mets là. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Oui, c'est Madame Hidalgo. Moi, pour moi, c'est Madame Hidalgo. Alors après, je peux aussi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je me demande si ce n'est pas dans 5 mois. Je vais vérifier après avoir rangé toutes mes cartes. Puisque ce tirage, il est terminé. Visiblement, c'est Madame Hidalgo qui remportera encore une fois la mairie de Paris. Alors, je précise que je ne suis pas parisienne, je ne vis pas à Paris et que dans l'absolu, je m'en fiche. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.